Să înveți o limbă străină este ca și cum ai deschide o nouă fereastră spre lume. În ziua de azi, abilitățile bune de comunicare sunt văzute ca o necesitate, o valoare și o sursă de bucurie, iar să stăpânești mai mult de o limbă străină este un atu. Între limbile lumii, limba franceză este privilegiată, atât ca număr de vorbitori nativi, fiind limba oficială în 25 de țări, cât și la nivel de influență ca limbă de circulație internațională. Începând cu anul 1988, la inițiativa Organizației Internaționale a Francofoniei, vorbitorii de limbă franceză din toată lumea celebrează legătura lingvistică pe care o au în comun pe data de 20 martie, declarată Ziua Internațională a Francofoniei. Afinitățile României cu spațiul francofon sunt de lungă durată și motivate prin ascendența comună a celor două limbi romanice. În cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, România a obținut statutul de membru cu drepturi depline în 1993. Pentru a marca această zi, compartimentul Multiculturalia a pregătit o poveste despre toleranță și bucuria de a trăi împreună, pentru că poveștile pun în forme simple mari adevăruri pe care, deseori, adulții le pierd printre cuvinte prea sofisticate și pentru a nu uita că diversitatea cultural-lingvistică nu poate exista fără toleranță. Francez parfait par Fanny Joly. Cette histoire se passe dans un petit royaume très loin d'ici. Au milieu du royaume, il y a le plus beau des jardins. Au milieu du jardin, il y a le plus beau des châteaux. Et au milieu du château, il y a le plus énervé des rois. Il s'appelle Jean-Rage Premier. Il n'arrête pas de commander. Et quand quelque chose il déplaît, il pique une abominable colère. À côté du roi, il y a la reine. C'est la plus terne des reines. Il s'appelle la reine grise. Elle n'arrête pas de s'ennuyer. Elle ne parle presque jamais, sauf pour se plaindre qu'elle s'ennuie. Le roi et la reine ont une fille unie. Ils l'ont appelée parfaite, car il veut qu'elle soit parfaite. Le jour de la naissance de parfaite, le roi a déclaré « Je veux que ma fille soit unique, grande, intelligente et belle, jusqu'au ciel ». Quel boulot d'être parfaite pour plaire à ses parents, la princesse apprend à broder, à skier, à faire les babas au rhum, à parler russe et chinois, à cultiver les bégonias, à compter les moutons et tout et tout. Quelquefois le soir, parfaite est si fatiguée qu'elle croit que sa tête va éclater sous sa couronne dorée. Une nuit, quand le grand château est endormi, parfaite se lève et elle sort. Il quitte sa chambre, son château, son jardin. Où va-t-elle? Personne n'en sait rien. Le lendemain, au petit déjeuner, pendant que Jean-Rage déguste son œuf à la coque, le professeur de chant arrive en tremble le ton. Il bafouille vers de peur. Majesté, votre fille n'est pas là pour ce vocalise de 10 heures. Au même instant, la porte s'ouvre et parfait traverse la salle à manger. Sa robe est froissée, ses cheveux sont décoiffés, elle passe sous le nez du roi comme si elle ne le connaissait pas. Le roi et la reine sont stupéfaits. Ils montrent de la chambre de leur fille, mais la porte est fermée à clé. Le roi crie de sa grosse voix « Parfaite, voyons, ouvrez-moi !» Mais la princesse ne répond pas. Le roi fait coller sur les murs une affiche où on peut lire « Moi, Jean-Rage Premier ». Je donnerai une royale récompense à qui fera parler ma fille, la princesse parfaite, devenue muette. Au début, personne ne se présente. Tout le monde a bien trop peur de mettre Jean-Rage en colère. Et puis un soir, une drôle de petite fille se présente à la grille. Elle dit au roi, « Je m'appelle Susan, je suis la fille du bruchon. Et moi, figure-toi que je sais, pourquoi elle ne veut pas parler. » Le roi et la reine, ahuris, emmènent Susan dans la porte de parfaite. Là, Susan le demande bien fort. « Toi, tu es le roi, et toi, madame, tu es la reine. Mais est-ce qu'il savait broder, skier,
verde baba orom, parle rusesina, tilte vele begonia, contele mouton et tout et tout. Tu je neige, enrage répond. Bien sûr que non, personne n'est parfait. Et Grise ajoute. Ben non, bien sûr, personne n'est parfait. Alors Susan s'écrie. Alors, puisque personne n'est parfait, pourquoi votre fille parfaite serait-elle parfaite? Aussitôt la clé tombe de la serrure, Parfaite sort de sa prison et elle se jette dans les bras de ses parents et de Susan. Depuis ce jour-là, au milieu du plus beau des jardins, la princesse parfaite, qui n'est plus du tout muette, passe son temps à s'amuser avec son amie Susan, la fille du bûcheron. Et Susan, elle a donné un nouveau mot. Il ne l'appelait plus parfaite, puisque personne n'est parfaite. Il la surnomme Pirouette. C'est plus Guy, non ?